Je m'appelle Thomas Salabi, j'ai 32 ans, j'habite à Poitiers depuis 10 ans. J'étais étudiant et je suis resté ici pour m'installer et travailler. Et donc dans Ozon 2020, en fait, je suis impliqué depuis dès la dernière élection en 2014. Puis j'ai suivi toute l'activité d'Ozon depuis et m'impliqué dedans. Et j'ai travaillé sur les commissions urbanisme, culture. Poitiers est une ville qui est plutôt à taille humaine et on voit qu'il y a une volonté de la mairie actuelle, enfin de la municipalité actuelle, de toujours étaler plus, de faire des zones commerciales toujours plus grandes, de faire des projets, on va dire, qui sont démesurés en général, que ce soit la zone République 4 qu'on veut nous imposer, qui fait quand même la taille du centre-ville qu'on veut recréer à nouveau sur des terres agricoles qui pourraient être utilisées à autre chose. Nous, on va revoir le plan d'urbanisme pour arrêter l'étalement urbain et arrêter de construire sur des terres agricoles. Donc concrètement, un projet comme République 4, on est pour son abandon. Donc parallèlement à ça, on va être pour redensifier un petit peu la ville. Et pour ça, tout simplement, si on veut construire des bâtiments neufs, on va faire en sorte que ce soit fait en priorité sur des friches, donc des zones délabrées hein, qui ne demandent que à être restaurées, quoi. Et enfin, nous, on privilégie plutôt les habitants que les promoteurs. C'est-à-dire que si on construit des logements, on fera en sorte que ce soit des logements qui soient isolés, qui soient de qualité, et pas juste des logements, qui soient faits uniquement pour graisser la patte des promoteurs, quoi.